Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou. Aujourd'hui, nous allons faire un let's play de Wouhou Coquin. Comme vous avez vu, le son est plus fort. Il y a toujours ce bourdonnement, mais je ne peux pas le retirer. C'est définitif. J'ai tout essayé. Il n'y a pas moyen. Le seul moyen éventuellement de régler ce problème, ce serait d'enregistrer en externe. Mais j'ai pas envie de faire comme ça parce que c'est trop chiant. J'ai pas un bon PC en fait, si vous voulez, pour faire les enregistrements, c'est trop long. Je verrai, mais au pire, sincèrement, je me casse pas le cul, je ferai comme ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je fais juste partager ce que j'aime. Donc ici, moi, quand je fais mes let's play commentés, c'est juste partager vraiment ce que j'aime. Ce qui compte dans le principal, c'est que vous m'entendez et que je vous fais partage de mon aventure géniale que je vous fais partager. Ce qu'il faut faire, c'est que je trouve un moyen d'augmenter le son du jeu en lui-même à fond pour bien que ça couvre le son pour régler ce souci-là, tout simplement. Et en plus, je peux enfin parler correctement et pas crier comme un con parce que le son est assez fort. Ah oui, excusez-moi, il faut que je règle aussi un autre truc. C'est bien que moi je l'entende, mais vous, vous allez l'entendre en double. Voilà. Moi je l'entends, mais vous ne l'entendrez pas du coup. Allez, hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'aventure, tout simplement, de Minecraft. Hein, tout simplement de WooCraft, comme on dit. Donc on en était où? On était en fait tout simplement occupé à aller faire le truc là-bas, hein. C'est pas plus compliqué de mettre que rien. On était occupé ici à faire ce qu'il fallait. C'était sympa. En tout cas du coup maintenant le micro est largement plus que suffisant. Le problème c'est que il y a des bourdonnements, mais ça je ne saurais pas les régler, c'est fini. Je ne peux rien faire. Si vous avez une astuce pour les régler, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, au pire. Mais moi, je ne sais pas les régler. Est-ce que c'est désagréable? Oui, c'est mieux de sang. Ça, c'est clair que voilà. Mais est-ce que ça empêche de regarder la vidéo et de la visionner et de passer du bon temps? Non, carrément pas. C'est juste un truc constant. Je veux dire, vu que c'est quelque chose qui est constant, ça ne change pas de variable et tout, par finir vous pouvez vous oublierez ce son en fait, vous n'entendrez plus entre guillemets parce que le son est toujours constant, ça veut dire que ça change pas, ça ne s'augmente pas, ça reste toujours au même niveau. Donc voilà, comme ça vous savez que c'est pas une excuse pour ce que vous tenterez de me dire. Non, c'est pas constant, donc c'est pas possible. Je vais juste mettre le minuteur pour pas dépasser quand même le nombre de temps que je veux pas dépasser. Du coup on va mettre 25 minutes. Yes, pas plus que 25 minutes. Alors maintenant je peux faire 68 minutes avec cette méthode d'enregistrement. C'est vraiment génial, mais le problème c'est que je n'ai jamais fait autant de temps, donc ça fait 1h08, hein, pour ceux qui ont compris. Mais moi habituellement je fais pas plus que 44 minutes la dernière fois. Donc ici j'ai mis 25 minutes, ça devrait être largement suffisant. Hein, Miss, ça devrait être suffisant pour les gens en termes de qualité de Wouhou qualité. Moi ce qui compte c'est que je puisse vous faire des vidéos de let's play commenté et tout ça, et c'est bon. Parce que si je dois faire autrement, autant prendre notre clé USB qui fait largement le taf à ce moment-là, si je mets pas l'enregistrement audio. Je pense que là, elle s'en sort plus ou moins bien. C'était quand je mettais sur 2 que ça déconnait. Mais si je mets sur... si je retire l'enregistrement de trucs et que je fais que d'enregistrement vidéo et sans son, bah, la clé USB de 64 Go fait le taf. Elle est tout juste pour quasiment capable de faire des enregistrements suffisamment. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire, donc voilà. J'ai pas envie. Merde. Ou vous mort. Voilà. Ou de retour là parmi vous.
d'une. Voilà. Quel jeu sublime. Je verrai bien si je repasse en mode enregistrement normal. Laissez-moi réfléchir. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une clé USB plus grande, peut-être. Déjà, ça c'est sûr. Et c'est tout. Je vais pas faire plus. Je vais prendre une clé USB plus puissante, pardon. Qui fait 32 Go, je pense, là, à ce moment-là. Et ce sera largement suffisant pour mes vidéos. Vu que là, vu le nombre de temps que j'ai, ça va, c'est largement suffisant. Le son ne bougera plus. Je ne modifierai plus. Et je rappelle encore une fois, pour les petits rigolos, c'est surtout Ophélie, je sais pas quoi, Noctanie d'Ophélie, je sais pas quoi. Non, je ne peux pas modifier ce bourdonnement, ce ronronnement qui est en arrière-plan. J'ai tout essayé, mais il n'y a pas moyen. Et ça me saoule autant que vous. Parce que sincèrement, sans ça, mes vidéos sont parfaites. Je veux dire, si vous retirez ces bourdonnements de merde, le son de la vidéo, de la musique est parfaite. La qualité d'image est parfaite. Du coup, tout est parfait. C'est juste ça, en fait, qui pose problème. Mais vu que certains, j'ai vu qu'ils suivaient des gosses qui faisaient de la qualité de merde, mais... Enfin, voilà, ça va, c'est pas si grave que ça. Il y a moyen de quand même passer du bon temps, même avec ce problème-là. Je vais quand même, de toute façon, comme j'ai dit, quoi qu'il arrive, je vais me renseigner. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais faire une épée en fait. What? Ah mais j'ai vraiment rien quoi. Oh là là, je suis tellement pauvre. Ouh pauvre. Allez. Oh putain mais. J'ai rien du tout quoi. Ouh pauvre. Sinon Staver Media il fonctionne nickel hein. Il faut dire ça va, pour le reste ça va quoi. Mais inquiétez pas, je pense peut-être que je vais repasser en mode truc là, comment ça s'appelle, en mode enregistrement avec l'autre machin. C'est juste que c'est un peu chiant à chaque fois. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais je pense que je vais faire ça. C'est juste que ça me facilitait la vie dans le sens que tout était enregistré ensemble. Le son du micro en même temps que le reste. Du coup, c'était plus facile pour moi. Mais c'est vrai que pour vous, ça doit pas être pratique avec ce son-là casse-couille. Donc, c'est peut-être la dernière vidéo où je fais ça. Dites-le moi avec sincérité, s'il vous plaît. C'est important. Est-ce que le son-là, ce que vous entendez là, le bourdonnement, est-ce que ça vous gêne au point de vous empêcher de profiter de la vidéo ou pas? Avec sincérité, mais vraiment, c'est très important. Il faut que vous soyez vraiment sincère. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Selon ce que vous allez dire, je changerai. Si c'est vraiment le cas et que vous dites tous que c'est problématique, bah à ce moment-là, je changerai de technique. Je repasserai comme avant, je ferai le mode comme je faisais là avec le son. Bah, ça me fait chier quand même parce que là, comme vous voyez, c'est mixé. Donc du coup, vous avez non seulement le son de la vidéo qui est là, mais vous avez éventuellement le reste aussi qui est correct. Alors que si je repasse en mode montage avec Sony Vegas Pro et tout ça, ça veut dire que le son de la musique sera baissé. Ça se verra qu'elle sera plus bas que le micro, comme vous avez eu. Donc ce sera moins bien. Donc je vous préviens, c'est à vous de choisir risque et péril. Bon, après vous allez me dire, après je verrai si j'ai vraiment envie de vous écouter, mais je risque d'avoir des désabonnements à ce moment-là, donc je verrai ce que je peux faire. Mais de toute façon, de mon côté, je vais continuer à chercher des solutions.
je pense qu'il y a moyen vraiment de trouver des solutions, vraiment quoi. J'ai pris Free Fire. Non. Non. Ok. Ah. Je comprends pas. J'ai des bâtons. Il faut juste de la pierre, quoi. Ben voilà. Voilà, c'est réglé. Ah ben voilà. What? Attends une seconde. Pierre en pierre, pierre, hache en. Ah, j'allais dire épée en pierre. Ah ouais, elle est assez spéciale l'épée en pierre quand même. Ah bah j'en ai déjà une apparemment. Mais elle était assez spéciale quand même. Bon bah du coup j'en ai deux. En fait c'est une hache. Aïe. Ah bah oh. Du coup il y a bien. Ouais. Ces mobs, mais il n'y a pas d'autre truc, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre qu'il y a des mobs qui repop là alors qu'il n'y a aucun bazar quoi. Parce que normalement, ça, j'ai mis ce qu'il faut. Je vais pas vous mentir que je sais pas quoi faire ici. Ah bah, peut-être ça éventuellement. Je peux éventuellement récupérer des trucs, ça c'est pas con. Il y a vraiment pas mal de choses vraiment à faire dans ce jeu. C'est vraiment génial. Ce jeu est complet. Ce truc est complet. Parce que j'arrête pas de pailler. Bah, je suis un peu dégoûté, hein, ça c'est sûr. J'ai acheté un appareil qui ne fonctionne pas. Enfin, si il fonctionne, mais pas pour ce que je veux. Du coup, ouais, du coup, ça touche au seum. Ah, ouais, mais si je reprends le mode d'enregistrement, ça va m'être utile. Ouais, c'est vrai, ça. Bah, voilà, bah, c'est ce qu'on fera à ce moment-là. C'est ce que je pense faire, hein, les gens. On va reprendre le mode normal, vous inquiétez pas. Je pense. Ne vous quittez pas du tout. Je pense que c'est la dernière vidéo où vous entendrez ce putain de bourdonnement. Et la prochaine. Enfin, il y a encore une ou deux vidéos qui doivent sortir entre temps, hein, mais je veux dire que au bout de la troisième, quand ce sera l'épisode suivant, normalement, j'aurai changé de méthode. Parce que ça me saoule juste complètement, hein, d'avoir ce genre de problème. C'est chiant. Au pire de pouvoir réutiliser cette putain de clé USB qui sert à rien sinon. C'est casse-couille quoi.
Ouais, bah, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bah, c'est tout, hein, je pense. Ce qu'on pourrait faire, c'est de casser tout ça, en fait. Comme ça, ça peut être récupéré. Mais bon. Il me faut une hache. Pour ça. Attendez. On va casser tout ça. On va casser ça. What? Yes. Marrant, c'est ironique, regarde, j'ai juste, regardez, j'ai juste assez pour faire une table de craft, dis donc. Voilà, et du coup on va pouvoir récupérer tout le bois. Parce que sincèrement, cette ville, je vais jamais l'utiliser. Elle sert à rien, cette zone. Donc, autant récupérer tout le bois et en faire quelque chose. Bah, disons que je sais que si au cas où mon PC décède, je peux toujours faire des vidéos avec des enregistrements et tout ça. Comme ça, vous êtes au courant. Si un beau jour, je repasse, de toute façon, je le dirai, hein, à ce mode-là, c'est que mon PC sera mort, en fait. Et je vous dirai, ouais, en fait, mon PC est mort. Je m'en ai dû acheter un truc de LAN et tout ça pour pouvoir faire, du coup, des trucs. Parce que mon PC est décédé et du coup, ben, je peux pas faire autrement maintenant. Vous n'avez plus le choix. À ce moment-là, ça veut dire que mon PC aura rendu l'âme et que du coup, je peux pas faire autrement que ce que je viens de faire là, quoi. D'où ils apparaissent, c'est con. Y'a rien pourtant. Ah. Ouais bon, en bref, il peut passer au noir. Bon, en bref, ici il faut revenir quand il fait pas nuit. Le problème c'est que je peux pas remonter en fait. Donc je suis obligé de crever. Bon, après je triche de toute façon de base. Donc hop. Enfin, je triche. Je dis que je me casse pas le cul quoi. Hop, voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ça mais en plein jour. Ben, ici la vidéo là, je vais la terminer. On va terminer comme ça. En tout cas, je sais que ça fonctionne nickel. Après, techniquement, c'est on peut essayer de pas penser à ce son-là. Hein. Mais voilà, je pense que du coup, on va changer tout ça. Ce que j'aurais gagné, c'est qu'en fait, au niveau du son, au niveau des Mbps, j'ai déjà, ça me fait en tout, si je fais 25-30 minutes, ça me fera que 1 giga et quelque chose, que habituellement, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6 gigas. C'est énorme. Ici, il y a beaucoup moins de trucs, donc c'est beaucoup mieux. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais quand même gagné quelque chose en termes de pour l'enregistrement. Donc, c'est pas très grave. Ça prendra au moins moins longtemps. Donc, c'est pour ça que, au pire, je perds pas tout. Mais on va dire que je sais que quoi qu'il arrive, je sais toujours trouver un moyen que Laveur Media soit autonome. C'est ce qui compte à se dire. Mais au moins, le test aura été bref. Voilà. À cause d'un putain de bourdonnement qu'on peut pas éviter. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wouhou, un peu déçu et un peu dégoûté d'avoir perdu au moins 30 euros pour rien, parce que je me suis complètement foiré. Voilà, comme on dit, quand on peut pas connaître,
parce que je pouvais pas savoir que ça ne pouvait pas fonctionner comme je veux, ben on se fait bien avoir. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Et surtout, portez des masques.